Bon, Eurybetrice, présente Eurybiblique du 18 décembre. Ça s'appelle Zacharie rentre chez lui. Bon. Le prêtre Zacharie n'avait pas cru qu'à son âge, il pouvait encore devenir père. L'ange Gabriel lui avait donc dit, puisque tu doutes de mes paroles, tu resteras muet jusqu'au jour où il se réalisera ce que je t'ai annoncé. En effet, quand Zacharie sortit du temple, il ne pouvait plus parler. Comme la foule s'étonnait qu'il soit resté aussi longtemps dans le sanctuaire, il tenta de s'expliquer par des gestes. Alors tout le monde se dit qu'il avait sûrement eu une vision. À la fin de son service dans le temple, Zacharie resta chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth se rendit compte qu'elle allait être mère. La bonne nouvelle annoncée par l'ange allait se réaliser. Élisabeth comprit que le Seigneur lui avait fait une très grande faveur en exaucant finalement ses prières. Et elle le remercia de tout son cœur. Cet enfant que l'ange Gabriel avait dit d'appeler Jean, un nom qui signifie Dieu est favorable, allait devenir Jean-Baptiste. C'est lui que le Seigneur confia la grande tâche de préparer le peuple d'Israël à accueillir Jésus, le Messie annoncé par le prophète. Pour la même occasion, je vais choisir des chiffres dans cette boîte magique et jouer à la loterie. Si vous voyez les gros lots, pensez à ceux qui en ont besoin. Bonne chance à tous et à chacun.